Bonsoir à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de votre émission consacrée au Tour de France 2015 sur votre antenne TV16. Aujourd'hui, c'était l'étape 14 entre Rodez et Mende, une étape de 178 km. Dès le 4e kilomètre, un coureur de la Bretagne Séché Environnement attaque, alors qu'au 5e kilomètre, il y a une chute collective avec Thibaut Pinot et Robert Gesnik, par exemple. À 13h, Steve Morabito abandonne suite à sa chute qui est survenue auparavant. Au kilomètre 8, un duo parvient à sortir du peloton, ils seront repris un kilomètre plus tard. Mais Cyril Gauthier, lui, récidive au kilomètre 10, il est accompagné de Ruben Plaza et accuse une avance d'environ 12 secondes. Ils seront repris malheureusement au 17e kilomètre. Dans l'ascension de la première côte classée, un petit groupe se détache au 18e kilomètre alors qu'au sommet, Uzarski prend un petit point pour le classement de la montagne. Le groupe de tête est composé de Sagan, Barguil, Kerso, Winning, Uzarski. Deux intercalés sortent du peloton, c'est Pierre Rolland et Jungels. Ils reviennent dans la tête de la course au 24e kilomètre. Le peloton accélère et tente de rattraper l'échappée, ce qui provoque... certains coureurs sont lâchés. La moyenne de vitesse est d'environ 42 km/h pour le peloton. Un groupe de 5 se détache de la tête et ont environ 20 secondes d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée. Les coureurs de la tête les plus fatigués lâchent prise et sont repris au kilomètre 52. Il y a notamment Valls, Matt, Barguil et Perrichon. Sagan et deux autres coureurs ont été rejoints à la tête de la course au kilomètre 56. Talensky crève à 14h11, il n'y a plus que 7 hommes à l'avant. Le sprint intermédiaire est remporté par Sagan qui marque 20 points et qui conforte son avance pour le maillot vert. Plaza marque 17 points, Grifco 15. Les intercalés reviennent dans la tête, il y a maintenant 20 coureurs dans le groupe. À 15h03, Sinkeldam, le coureur de la Giant Alpecin, abandonne et quitte la route du tour. Les FDJ prennent le contrôle de la tête de la course. Au kilomètre 108, la tête de la course est à 6 minutes 45 d'avance sur le peloton. Les grands sprinteurs sont lâchés dans la côte de Sauveterre, notamment Greppel, Christophe. Au sommet, Ladagnou marque 5 points, suivi de Roy qui en marque 3. Michel Golas a accéléré à 27 km de l'arrivée, il roule avec une centaine de mètres d'avance sur le reste de l'échappée. Il parvient à creuser un petit écart d'environ 16 secondes à 16h30. Il poursuit sa route et gagne du temps sur les poursuivants. Golas est rejoint à 11 km de l'arrivée par Coren, alors que Richie Porte attend sa voiture suite à une crevaison. Il est à l'arrêt et perd du temps. Ladagnou, lui, est lâché à 10 km de l'arrivée, il n'y a plus que Roy qui tient la tête de la course. À l'issue de la dernière côte, Coren marque un point dans le maillot à poids. Dans l'entrée de Mende, le duo de tête a toujours 5 minutes 45 secondes d'avance sur le peloton alors qu'il attaque la côte finale. Les deux hommes sont rejoints à 3,7 km de l'arrivée, Bardet attaque et Pinot lui contre-attaque alors que Bardet repasse devant et il est suivi de Simon Yates. Yates est lâché alors qu'à 2 km de l'arrivée, Bardet est rejoint par Pinot. Kumwigs rejoint lui aussi et roule très vite. C'est donc également Kumwigs qui gagne cette étape, suivi de Pinot et Bardet. Quintana et Froome ont lâché le peloton alors que beaucoup de coureurs sont en grande difficulté dans la côte finale. Du côté du général, Froome garde son maillot jaune, suivi de Quintana à 3 minutes 10, Van Garderen à 3 minutes 22 et Valverde à 4 minutes 02. Le plus combatif du jour est Perrichon. Du côté du maillot vert, Sagan conserve son maillot avec 322 points, suivi d'André Greipel, 261 points, et John Degenkolb, 228 points. Le maillot à poids, rien ne change, Froome, lui, conserve, suivi de Rodriguez et Fulsang. Cette nouvelle édition de votre émission consacrée au Tour de France 2015 est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver en intégralité sur le www.tv16.fr. Les équipes de la rédaction de TV16 vous souhaitent à tous une excellente soirée. Nous vous disons à demain pour une nouvelle émission.